your grandma sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talk about him. Descends du coude. Tu m'as niqué le ventre là. Prépare la descente du pied. Fils de pute, moi. Allez, viens. L'étranglement. L'étranglement. Allez, un. Il est mort. Vous savez comment on dit, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il y a des gens, tu vois, il est 11h, il y en a, ils dorment encore. On va les réveiller. Ah, oh, c'est enculé. Ça va ou quoi? Ça va et toi? C'est les midi là. Ah, oh, bon, c'est bon. Pour les gens qui me suivent, après vous savez très bien que je suis accro au jet ski, mais j'ai jamais pu filmer. Mais maintenant j'ai une GoPro, je vais enfin pouvoir filmer. Oh my god. Donc voilà, en attendant, moi je joue à un jeu qui s'appelle Football Manager. Les foot te connaissent, je pense. C'est pour moi le meilleur jeu de tous les temps. J'entraîne l'équipe Unity et nous on est on the top. On the top of the championnat. Je suis en 3ème division. Ah, faut pas le dire sur YouTube ça. Petite putaclic. Comment je gagne sur YouTube? Et toi, tu gagnes combien sur YouTube? Je sais même pas, voilà. Je crois 3 euros. Tu m'as pas dit. On est sur un pédalo. Wesh. Qu'est-ce qu'on fait sur un pédalo réel? Bah un pédale parce qu'on est, on est des pédales. Eh hey, qui va sauter de ce pédalo jusqu'à l'autre pour faire la guerre? Ils arrivent. Ah, jetez les verres. Ryan imposteur. Visez le feu, on va y aller. Ah là, je suis une guerre, sa mère. Malheureusement aujourd'hui en fait on a quitté trop tôt la baraque à cause de ces gens là. Trop tard. Ouais, trop tard. Sans voiture on serait pas là. Faut arrêter. Donc ce qui fait qu'on a pas besoin du jet ski. Donc à la place du jet ski on fait ça. T'as dit quoi?
Genre, on a pratiquement fait juste. Jusqu'où? Comment ça s'appelle le truc qu'on a pédalé là? On a fait du pédalo. On est allé dans le nord de l'île juste pour faire du pédalo. C'est super grave quand même. Non, c'est trop bien. Oui. Mais voilà, demain. C'est... Attends, mercredi, on fait du boogie, c'est ça? C'est demain. Bon, moi je vous dis, parce que c'est moi là la chef de Les Anges, chef les anges de la télé-réalité. C'est moi, je décide tout parce que moi je parle anglais, je parle espagnol, j'ai mon permis de conduire, tu connais ici. Bref. Permis de conduire, ça fait un an qu'on n'a pas conduit. Et alors? La conduite, c'est dans les veines, you know what I mean. Non, sérieusement, je vais vous expliquer. Donc, le premier, c'est-à-dire après-demain, on va faire boogie pendant 3 heures, on va faire 3 circuits, on va aller au une sorte de désert, on va aller voir un volcan genre qui est éteint, tu vois. Et demain, on va faire du jet ski et shopping, bien sûr, parce qu'ici, c'est pas cher, voilà. C'était Nouren aussi, ni. Non, sérieusement, là, on a rien fait, là, ça me casse les couilles. Ça fait 3 jours, on est là. On n'a même pas touché un jet ski, on n'a même pas touché un boogie. Aucune sensation forte. Même si tu vois, on est bien, on est en mode vacances, on se lève, il y a zéro problème. Est-ce que tu conseillerais cette destination? Moi je pense que Fuerte Il Canary, oui, mais Tenerife c'est mieux. C'est plus connu donc il y a plus de trucs à faire là-bas. Pourquoi tu trouves que c'est mieux? Tenerife parce que comme je t'ai dit, c'est plus connu, c'est moins cher déjà et il y a plus de trucs à faire. Voilà. Après ici aussi c'est bien, mais il faut être véhiculé et il faut être avec beaucoup de monde. Voilà. Moi sérieusement, je vous conseille parce que c'est vraiment vraiment grave stylé, grave chill. Là en ce moment en plus à Paris il fait 35 degrés, aucun vent. Ici il y a du vent parce qu'il y a la plage à côté, c'est la Méditerranée tout ça. Donc là en fait comme on a rien à faire, je propose qu'on fasse un truc. Devine ce que c'est. Manger. Si tu me connais bien, si tu nous connais bien. Genre quand, là tout de suite là. Ouais. Ici qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'on fait à chaque des voyage photos. Des photos. Ah non je sais. Allez c'est parti. C'est ça. OG Kush in my eyelids. High as fuck I'm like wireless. Ain't playing the game I'm not childish. Taylor gang we the wildest. Taking shots like I'm Irish. Going to shop for that fly shit. If it's private I'm flying it. If I like it I'm buying it. If it's foreign I'm driving it. If it's potent I'm smoking it. That 69 interior looks sexy as hell when you open it. If that Kush good I might roll a bit. Wife happy I'm stroking it. Cover of the source cause my ownership. Hating niggas like holy shit. Club promoters like fly him out. Die hard fans like pay the man. 150k for a show.